Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement le docteur Sophie Blumenthal, pédiatre infectiologue à l'hôpital des enfants et à l'Université Libre de Bruxelles. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous donner aujourd'hui un aperçu bref du passé, présent et futur de la vaccination antipneumocoxique. Alors, comme vous le savez tous, le Streptococcus pneumoniae est un pathogène majeur chez l'être humain, associé encore à un impact médical pour la santé très important, puisque l'on estime encore aujourd'hui qu'il est responsable de plus de 14 millions d'infections annuelles de par le monde, de plus de 800 000 décès d'enfants de moins de 5 ans et d'un taux très élevé de morbidité et de séquelles. C'est l'agent numéro un des pneumonies, qu'elles soient communautaires ou hospitalières, des méningites non épidémiques et des otites moyennes aiguës, ainsi qu'une fréquente cause de sepsis et de toute une série d'autres maladies infectieuses, et ce particulièrement chez les jeunes enfants et les personnes âgées dans les pays industrialisés. Mais c'est aussi une bactérie commensale très importante au sein de la flore nasopharyngée humaine, avec un taux de portage qui est le plus élevé en fait chez les jeunes enfants qui constituent réellement le réservoir de ce pathogène responsable de sa transmission au sein de la communauté. Alors, il a été clairement établi que la colonisation, au moins le passage par la flore nasopharyngée, est la première étape nécessaire et indispensable au développement des maladies invasives. Alors, malheureusement, il existe encore de très nombreuses inégalités en termes d'impact de ce pathogène de par le monde, puisque l'on estime que plus de 60% des décès pédiatriques qui lui sont reliés, et ce, chez les enfants non achevés, surviennent uniquement dans 10 pays d'Afrique et d'Asie, vous voyez en rose et en rouge sur la carte, et que la létalité des méningites enregistrée en Afrique est 10 fois plus importante que ce que l'on rencontre, par exemple, dans nos pays européens. Alors, le meilleur moyen pour lutter actuellement contre un tel pathogène, c'est la prévention, prévention par la vaccination. Alors, la vaccination est aujourd'hui considérée comme étant la procédure associée au meilleur rapport coût-efficacité en médecine, de par les bénéfices pour l'individu, mais également les bénéfices indirects pour la société. Et elle se base pour le pneumocoque essentiellement sur deux types de vaccins, les vaccins polysaccharidiques, dédiés aux patients immunodéprimés ou âgés de plus de 65 ans, et les vaccins protéiques conjugués, qui sont, eux, administrables pour les enfants et également pour les adultes. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ces deux vaccins, en fait, se basent sur le même principe. Ils se basent sur une immunisation contre les antigènes polysaccharidiques capsulaires du pneumocoque. Donc, le pneumocoque est une bactérie encapsulée qui est entourée donc, par une capsule de sucre, et c'est contre ces sucres que les vaccins vont provoquer une immunisation. Mais donc, ils partagent également la même caractéristique, c'est-à-dire d'être sérotypes spécifiques. Ils sont immunogènes contre les sérotypes inclus dans le vaccin, avec un certain degré de protection croisée contre des sérotypes semblables, mais ils ne sont pas immunogènes contre les autres sérotypes, et il faut savoir qu'il y en a 98 aujourd'hui qui sont décrits pour le pneumocoque. Alors, le premier vaccin que vous connaissez tous, c'est le vaccin Pneumo23, donc qui est un vaccin exclusivement basé sur la présence d'antigènes polysaccharidiques et qui inclut des antigènes de 23 sérotypes, représentant plus ou moins trois quarts du total d'infections invasives que l'on enregistre en Belgique. Donc, c'est une très grande couverture en termes de sérotypes inclus. Mais le problème de ce vaccin, c'est qu'en fait, il n'est pas immunogène chez les jeunes enfants, dû à une immaturité de leur système immunitaire. Et il n'induit également qu'une faible mémoire immunitaire, puisqu'il n'induit pas en fait ce qu'on appelle un class switch des lymphocytes B, et donc de sorte qu'une dose booster est nécessaire après 5 ans pour maintenir l'immunisation, la protection conférée par ce vaccin. Alors, les données d'efficacité concernant ce vaccin restent relativement controversées. Ça a été quand même démontré qu'il réduit le taux d'infection invasive et plus ou moins des pneumonies communautaires chez les adultes en bonne santé. Par contre, les données restent relativement controversées quant à la protection conférée chez les patients immunodéprimés et les personnes très âgées, de sorte que ce vaccin est maintenant recommandé seulement dans un schéma combiné en association avec le Prévnar 13 chez les personnes qui ont des comorbidités et chez les adultes âgés de plus de 65 ans. Attention, il est important de savoir que le Prévnar 13 doit être administré avant le Pneumo23 afin d'éviter un phénomène qu'on appelle de hyper-responsiveness, c'est-à-dire qu'au contraire, au lieu d'être mieux immunisé, eh bien, on va diminuer la réponse immunitaire contre certains sérotypes qui sont communs entre les deux vaccins. Alors ensuite, il y a les vaccins conjugués que vous connaissez tous, donc qui se basent en fait sur la présence d'antigènes polysaccharidiques, mais cette fois conjugués, attachés à une protéine porteuse.
Et l'avantage de cette protéine porteuse, c'est qu'elle va permettre de stimuler le système immunitaire, mais cette fois-ci en impliquant les lymphocytes T, ce qui fait que le vaccin va être très immunogène depuis la plus petite enfance jusqu'à l'âge avancé et va induire une réponse immune mémoire beaucoup plus importante. Et vous voyez ici l'importance de la réponse immunitaire qui est engendrée lorsque l'on stimule le système immunitaire par un vaccin avec une protéine conjuguée, comparé à ce que l'on a lorsque l'on stimule uniquement le système immunitaire et donc les lymphocytes B avec des antigènes polysaccharidiques purs. Alors, les vaccins conjugués ont été maintenant administrés de par le monde depuis le début des années 2000 et globalement ont montré un succès franc de cette démarche avec une réduction significative du taux de maladies invasives en termes d'incidence, de mortalité et de morbidité, et également des infections non invasives, une réduction de l'incidence des otites moyennes aiguës, des pneumonies communautaires et également du portage même du pneumocoque. Et les bénéfices significatifs ont été enregistrés non seulement chez les enfants vaccinés, mais également dans d'autres groupes d'âge, ce qui témoigne de la présence d'une immunité de cohorte. Alors, si l'efficacité de ces vaccins est indubitable au jour d'aujourd'hui, il y a comme dans toutes les procédures un désavantage, et dans le cas présent, c'est ce qu'on appelle le phénomène de replacement, qui correspond en fait à l'émergence des sérotypes non inclus dans le vaccin, en portage et en agents causaux de maladies, et qui vont partiellement tempérer les effets attendus des différents vaccins conjugués, et ce particulièrement chez les adultes, avec heureusement les effets bénéfiques restant les plus importants chez les jeunes enfants de moins de 5 ans et surtout les moins de 2 ans qui restent les plus fragiles quant aux infections invasives à pneumocoque. Alors cela vous est très bien illustré ici par les données anglaises. En Angleterre, c'est un pays où on atteint vraiment un schéma mature de vaccination actuellement par le Prévnar 13. Et donc vous voyez ici l'incidence totale des infections invasives dans la population. Vous voyez qu'après l'introduction successive des deux vaccins conjugués, on observe une diminution franche de l'incidence des infections invasives, mais que quelques années après l'introduction du vaccin Prévnar 13, eh bien, on voit très lentement une augmentation, lente mais significative, du taux d'infection invasive à nouveau et qui implique essentiellement des sérotypes non inclus dans le vaccin. Et donc cela vous illustre très bien la limitation du modèle de vaccination par les vaccins conjugués, qui sont en fait ce phénomène de remplacement qui est inéluctable et qui survient dans tous les pays de façon plus ou moins variable, après des temps plus ou moins variables, après plus ou moins 3, 4, 5 ans, mais qui impose également des coûts élevés de manufacture, puisque chaque fois on veut rajouter les sérotypes émergents dans le vaccin, et donc on rajoute de plus en plus de sérotypes, mais évidemment on est limité par le nombre de sérotypes qu'on peut mettre dedans parmi les 98 qui sont actuellement connu. Alors, cet aspect dynamique de l'évolution de l'épidémiologie du pneumocoque vous est bien illustré ici par notre étude réalisée au laboratoire de référence nationale à la KUL Leuven et qui vous montre en fait l'évolution de l'incidence des infections invasives chez les enfants au cours de périodes consécutives au cours desquelles différents vaccins conjugués ont été utilisés. Donc, chez nous, on a un schéma un petit peu particulier parce qu'on a d'abord implémenté donc, le Prévnar 7, puis ensuite le Prévnar 13, et puis quelques années après, on a fait un switch vers le Saint-Florix, donc le PCV10. Et donc vous voyez que l'introduction de ces vaccins a été successivement suivie, heureusement, par une diminution de l'incidence des infections invasives chez les enfants, et particulièrement forte chez les enfants de moins de 2 ans, mais que quelques années après le switch vaccinal, très rapidement, eh bien on a constaté, heureusement on avait fait un monitoring accru de notre épidémiologie, et ce switch a été suivi, pour des raisons causales ou pas, on ne sait pas, mais d'une réaugmentation lente mais significative du taux d'infection invasive chez les jeunes enfants. Et en fait, cette augmentation des infections invasives était liée à une augmentation d'un sérotype, qui est le sérotype 19A, très réputé pour être impliqué dans les infections invasives, et qui ici n'était pas couvert par le Saint-Florix et l'était au préalable par le Prévnar 13. Et vous voyez que cette augmentation du sérotype 19A, qui était particulièrement franche chez les enfants de moins de 2 ans, correspondait en fait à l'émergence de deux nouveaux clones, de nouveaux génotypes qui n'étaient pas présents au départ dans notre pays depuis de nombreuses années et qu'on a retrouvés également dans des pays européens voisins au même moment. Alors cela vous illustre bien l'importance de faire un monitoring accru. Et donc suite à cette observation, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait au Conseil supérieur de la santé? On a réimplémenté en Belgique le Prévnar 13 depuis 2019, selon un schéma 2 plus 1, avec également un catch-up pour les enfants immunodéprimés qui avaient été vaccinés au préalable par le Saint-Florix.
Alors cela vous illustre bien combien, si vous voulez être efficace contre un pathogène aussi dynamique qu'est le Streptococcus pneumoniae, eh bien il faut implémenter une stratégie dynamique de prévention et réellement voir l'évolution du pneumocoque au sein de l'être humain selon un modèle de coévolution avec une adaptation continue de la bactérie à l'immunité de l'hôte, aux antibiotiques et à la compétition également avec les autres espèces au sein de la flore nasopharyngée. Le Streptococcus pneumoniae est doué d'une grande plasticité génétique et d'une adaptabilité qui survient de façon naturelle et qui est encore accrue par la pression de l'environnement, par les vaccins et également par les antibiotiques. Et cette grande plasticité génétique associée aux effets des vaccins conjugués sur le portage, eh bien, est responsable de ces conséquences récurrentes que l'on voit après l'implémentation de chaque vaccin conjugué, c'est-à-dire un phénomène de remplacement inéluctable avec l'émergence de nouveaux sérotypes et la sélection de nouvelles lignées génétiques et avec également une augmentation de la diversité génétique. Et donc, dans votre stratégie de prévention, il y a une place clé pour un monitoring accru de l'épidémiologie après l'implémentation de chaque vaccin pour guider votre stratégie, pour voir si vous continuez à être réellement efficace. Et également, eh bien, cela ouvre la porte au développement de nouvelles plateformes vaccinales qui seront alors indépendantes du sérotype capsulaire et permettront d'éviter ce phénomène de remplacement. Alors, l'importance du monitoring accru, eh bien, vous êtes très bien illustré par la situation qu'on a en Belgique aujourd'hui. Là, vous voyez des données vraiment toutes récentes qui nous ont été prêtées par nos collègues de l'AKUL, du laboratoire de référence présenté juste maintenant à l'ECCMID en 2022. Et donc, vous voyez qu'après le switch qu'on a refait vers le Prévnar 13, eh bien, on a observé très rapidement de nouveau une diminution de l'incidence des infections invasives à sérotype 19A chez les enfants de moins de 2 ans. Et donc cela a suivi très rapidement le changement de vaccin et se traduisait également par une diminution du nombre d'infections invasives totales dans la population pédiatrique. Attention, ces données sont à prendre avec précaution également parce que, comme vous le savez tous, depuis le début de la pandémie COVID-19, eh bien, on a constaté en 2020 une perturbation, une diminution en fait de l'incidence de toute une série d'autres maladies infectieuses. Et donc, évidemment, cela complique l'interprétation du follow-up épidémiologique pendant les années pandémiques. Donc, il faut vraiment prendre avec des pincettes les conclusions qu'on peut tirer pendant l'année 2020, puisqu'évidemment, il y a plein de facteurs confondants, comme le fait qu'on a utilisé des mesures de précaution additionnelles et qu'également, eh bien, il y a eu une disparition du paysage de toute une série des autres virus respiratoires. Mais en tout cas, la diminution propre au sérotype 19A, ça, on l'a très bien constaté. Attention, juste un petit clin d'œil, si la pandémie Covid a diminué pendant l'année 2020 l'ensemble de l'incidence des maladies infectieuses, eh bien, elle ne l'a pas éliminée et au contraire, maintenant, on constate de nouveau une réaugmentation, notamment du taux d'infection invasive à pneumocoque. Ça, vous le voyez ici, c'est très bien illustré par les données anglaises et c'est également très bien illustré pour le méningocoque où nos collègues anglais ont même rapporté une incidence augmentée et supérieure à ce qu'on avait au niveau pré-pandémique chez les adolescents et les jeunes adultes de la vaccination contre le méningocoque. Et donc, évidemment, il ne faut pas oublier de maintenir la vaccination contre les autres pathologies infectieuses, malgré le fait qu'on est tous très occupés par le COVID-19. Alors, l'importance du monitoring en termes de suivi épidémiologique du pneumocoque vous est très bien illustrée ici par une autre situation. Si on sort un peu de notre cocon des pays industrialisés et qu'on s'intéresse aux pays en voie de développement, eh bien, lorsque l'on veut faire un monitoring et réévaluer notre stratégie vaccinale, on peut changer le vaccin lui-même, mais on peut également changer le schéma d'administration du vaccin. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici dans la ceinture méningée africaine. Alors, qu'est-ce que c'est la ceinture méningée africaine? Ben, c'est ici une région très large d'Afrique subsaharienne et qui se caractérise par une très haute incidence en fait de méningite à pneumocoque qui surviennent sur un mode saisonnier, exactement comme on le voit pour le méningocoque et parfois même encore aggravé par des épidémies, et dans lesquelles les méningites à pneumocoque ont des aspects tout à fait particuliers. Il y a vraiment un sérotype qui est prédominant, c'est pas comme chez nous, mais c'est voilà, vraiment le sérotype 1, et celui-ci affecte tous les groupes d'âge, en ce inclus les enfants en âge scolaire et les adultes en âge de travailler. Chez nous, c'est vraiment plus les deux extrêmes, les jeunes enfants et les personnes très âgées, mais là, c'est vraiment toutes les catégories d'âge. Et donc, ça a un impact sur la société qui est évidemment très important, d'autant plus que malheureusement, ces méningites sont grevées d'un taux de létalité qui est très important et le plus important qu'on enregistre d'ailleurs dans le monde entier.
Alors, grâce à des efforts exceptionnels faits par l'OMS et par la Global Vaccine Alliance, on a pu implémenter là-bas depuis presque une dizaine d'années le Prévenar 13 au sein du programme d'immunisation des jeunes enfants. Et ce Prévenar 13 a été implémenté selon un schéma qu'on appelle 3 plus 0. Donc, c'est le schéma en fait qui est recommandé par l'OMS dans les pays en voie de développement avec le but de protéger vraiment la population et surtout les enfants dans la première année de vie, puisque c'est là qu'on enregistre le taux de létalité, qui est vraiment le plus important et extrêmement élevé malheureusement. Et donc grâce à des efforts incroyables qui ont pu être faits au sein de ces deux associations, eh bien on a pu atteindre une couverture vaccinale très élevée. Mais malheureusement, malgré la couverture vaccinale très élevée, eh bien on constate que l'implémentation de ce vaccin n'a pas du tout eu l'impact en fait escompté et que le sérotype 1 continue à circuler. Ça se voit peut-être pas super bien sur la dia, mais vraiment ici en pointillé, on voit que le sérotype 1 n'a vraiment pas tellement diminué dans ces contrées. Et en fait, maintenant, eh bien, ce qu'on s'est rendu compte, c'était qu'en fait, c'est parce qu'on n'avait pas implémenté probablement une booster dose. Pourquoi? Parce que là, on vaccinait de façon très importante les enfants très jeunes avant la première année de vie, mais ce sérotype, lui, affectait l'ensemble de la population. Et donc, si on voulait être efficace vraiment sur l'épidémiologie du pays et la circulation de ce vaccin, eh bien, il fallait vacciner plus tard et peut-être même proposer un programme de catch-up, comme on le fait pour le MMR ou pour les vaccins coqueluche, des adolescents, par exemple, pour alors diminuer vraiment la circulation de ce sérotype au sein de la communauté et avoir des résultats plus rapidement efficaces et pas une perte de l'immunisation au cours de l'âge, puisque les patients restent très sensibles, même à l'âge adulte, à ces infections. Alors ça, c'est pour l'importance du monitoring. Maintenant, quelles seraient les nouvelles plateformes vaccinales que l'on peut étudier? Eh bien, en fait, le pneumocoque est doué d'un très, très grand nombre de facteurs de virulence qui sont très intéressants, en fait, à investiguer maintenant comme cible de la vaccination. Alors, on a parlé de la capsule polysaccharidique qui joue évidemment un rôle majeur dans la virulence, qui définit le sérotype. Et comme je vous l'ai dit, il y en a 98 qui sont définis et qui sont maintenant la base de la vaccination actuelle. Il y a également les enzymes lytiques qui sont utilisées surtout au laboratoire pour l'identification du streptococcus pneumoniae. Quand on dit, voilà, c'est une infection invasive à streptococcus pneumoniae, eh bien souvent, on se base par biologie moléculaire. Si on n'a pas, par exemple, tout de suite les résultats de la culture avec la présence de ces enzymes lytiques. Et tout récemment, on a découvert en fait des protéines de surface qui sont impliquées dans la virulence et qui sont vraiment en fait très nombreuses et qui sont très intéressantes parce que toutes ces protéines en fait sont maintenant investiguées comme des nouvelles cibles à utiliser pour la vaccination. Alors en fait, ces protéines sont très nombreuses et le rôle principal, c'est vraiment d'interférer avec le système immunitaire de l'hôte et principalement avec le système immunitaire du complément. Vous voyez ici, toutes ces protéines, en fait, ici, sont des cibles futures pour la vaccination. Et donc, c'est très intéressant parce que non seulement on aurait une nouvelle cible immunogène, mais en plus, on va cibler directement un facteur de virulence du pneumocoque. Ces protéines sont également très importantes dans l'adhésion à la matrice extracellulaire et aux épithéliums respiratoires, dans la compétition avec les autres pathogènes et dans la fourniture de micronutriments dans l'environnement pour le pneumocoque. Alors, également, au-delà de ces protéines, eh bien, en fait, il y a aussi toute une série en fait, de nouveaux facteurs de virulence qui restent à investiguer et qui sont déterminés au niveau génétique, qu'on ne connaît pas encore, mais dont on suppute l'existence, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le sérotype capsulaire lui-même eh bien, était insuffisant pour expliquer l'invasivité et que maintenant, il faut plus s'intéresser en fait, au suivi des infections à pneumocoque en termes de génotype pour bien monitorer l'épidémiologie et guider le développement vaccinal. Alors, juste un tout petit mot pour vous montrer ce que c'est quand on parle de génotype. Donc, au sein de l'espèce Streptococcus pneumoniae, on peut définir des sous-groupes, soit, comme je vous l'ai dit, par le sérotype capsulaire, donc par le type de sucre qui constitue cette capsule, soit par le profil génétique de ces pneumocoques et qu'on caractérise par la présence ou l'absence ou le type de certains gènes de façon plus ou moins poussée. On peut même faire ce qu'on appelle maintenant du whole genome sequencing et avec cela, en fait, on attribue un profil génétique aux pneumocoques et on constitue en fait différents sous-groupes, réellement des clones qui partagent plus ou moins le même profil génétique et le même profil d'invasivité, et qui sont maintenant en fait très intéressants à suivre puisque l'on constate l'émergence de ces clones de façon virulente et qui vont alors échapper à la vaccination ou à la pression d'antibiotiques, notamment par un phénomène qu'on connaît très bien qui s'appelle le capsule switch, c'est-à-dire que le pneumocoque a une plasticité génétique tellement importante que
Il peut en fait changer sous la pression vaccinale sa capsule et garder son même background génétique d'invasivité. Donc, à partir d'un même pneumocoque, eh bien, on peut avoir trois types ou quatre types de capsules différentes et donc avoir ainsi un clone très invasif qui va échapper à la pression vaccinale, changer son sérotype capsulaire et alors émerger comme cause d'infection invasive. Voilà, ça c'était très brièvement. C'est une notion très complexe, mais je voulais simplement vous en toucher un mot très rapide. Alors maintenant, pour la dernière partie de ce séminaire, un mot très concret sur les nouveaux vaccins qui sont en cours de développement. Donc tout d'abord, parce que vous allez en entendre parler vraiment très bientôt, les vaccins conjugués à valence élargie, donc le PCV15 et le PCV20, qui en fait vous offrent en fait une couverture élargie, mais toujours en termes de sérotype. Ce sont nouveaux des vaccins qui sont basés sur le sérotype capsulaire et donc en termes de sérotype qui sont responsables des maladies invasives et des pneumonies communautaires chez les adultes, les enfants ou associés à la résistance antibiotique. Vous voyez ici tout le pipeline de sérotypes qui sont inclus dans le Prévnar 13 et les deux sérotypes additionnels dans le PCV15 ainsi que les sept sérotypes additionnels dans le PCV20. Alors là, vous voyez grâce aux données épidémiologique très récente de nos collègues du laboratoire de référence, le gain en termes de couverture sérotypique que l'on pourrait avoir en utilisant ces deux vaccins en termes d'infection invasive chez les adultes, plus 8% pour le PCV15 et plus 25% pour le PCV20. À noter que le PCV15 offre également une meilleure protection ici contre ce sérotype 3, on va en parler après. Et le gain est présent non seulement chez les adultes, mais dans l'ensemble des catégories d'âge. Vous voyez ici chez les enfants, en vert, le gain de la couverture par exemple le PCV20 comparé à ce qu'on a avec le Prévnar 13 en gris. Alors, le gain en termes de couverture vaccinale pour les sérotypes impliqués est important pour les infections invasives, mais également pour les pneumonies communautaires des adultes. Les pneumonies communautaires ne sont pas considérées comme une infection invasive. Néanmoins, c'est une entité infectieuse extrêmement importante puisqu'elle est très fréquente chez les adultes et associée évidemment à une morbidité, mortalité très importante et donc à un coût pour la société très important. Et vous voyez ici le gain théorique en termes de couverture capsulaire qui pourrait être gagné avec l'utilisation de ces nouveaux vaccins. Alors, ces nouveaux vaccins, où en sont-ils? Eh bien, dans les études, ils ont obtenu la non-infériorité en termes d'immunogénicité comparée au Prévnar 13 et au Pneumo 23 contre la grande majorité des sérotypes. En termes d'anticorps, de dosage d'anticorps générés et également d'anticorps fonctionnels générés, ils ont également le grand avantage pour le PCV15 d'offrir une plus grande efficacité contre le sérotype 3, qui est un sérotype en fait qui continue à circuler dans nos pays industrialisés malgré qu'il est inclus dans le PCV 13. Et donc en fait, c'est un sérotype qui est très souvent impliqué dans les échecs vaccinaux et contre lequel en fait on a une très mauvaise efficacité du Prévnar 13. Malheureusement, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. Et ces vaccins sont également immunogènes chez les patients qui ont des comorbidités, donc c'est très intéressant. Par ailleurs, ils ont un profil de safety qui est comparable chez les adultes, les enfants et les personnes âgées à ce que l'on obtient pour le Prévnar 13. Alors, vous voyez ici les données qui nous sont fournis par l'industrie. Donc, en fait, vous voyez ici qu'ils ont bien atteint la non-infériorité en termes d'anticorps fonctionnels chez les adultes de plus de 50 ans, avec même pour le PCV15 la supériorité pour l'efficacité contre le sérotype 3. Vous voyez également pour le PCV15 la même chose chez les enfants en termes d'immunisation après la booster dose. Également en termes d'anticorps fonctionnels, donc le taux d'anticorps et les anticorps fonctionnels. Et pour le PCV20, ben là c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont fait la comparaison pour les antigènes communs avec le Prévnar 13 et puis pour les antigènes qui n'étaient pas communs évidemment avec le Prévnar 13 avec le PP23. Et donc vous voyez qu'ils ont obtenu la non-infériorité pour 19 des 20 sérotypes inclus pour également le taux d'anticorps et la fonctionnalité de ces anticorps chez les adultes. Et on attend très très prochainement les données des nombreuses études pédiatriques qui sont en cours et qui vont sortir incessamment en soupe. Alors, où est-ce qu'on en est concrètement pour ces vaccins? Eh bien, ces vaccins sont maintenant inclus depuis 2021 dans les recommandations de nos collègues américains pour protéger donc, les adultes âgés de plus de 65 ans
ou les adultes avec des comorbidités, en association pour le PCV15 avec le pneumo23 ou seul pour le PCV20. Ces vaccins sont évidemment approuvés par la FDA et viennent d'obtenir en février 2022 l'approbation par l'EMA. Et donc, nous allons très prochainement les discuter au Conseil supérieur de la santé. Et donc, vous allez très prochainement en entendre parler, en tout cas pour la vaccination adulte. Pour les enfants, les études de phase 3, donc vous avez vu pour le PCV15, elles viennent tout juste de sortir et elles sont encore en cours de finalisation pour le PCV20, selon un schéma 3 plus 1 ou 2 plus 1 dans différents groupes d'âge. Et la soumission à l'EMA est attendue pour la fin de cette année. Donc vous allez vraiment normalement entendre parler très prochainement de ces vaccins. Attention, comme je vous l'ai dit, ce sont des vaccins conjugués et donc ils offrent évidemment l'avantage d'élargir la couverture sérotypique, mais ils auront les mêmes désavantages que les autres vaccins conjugués. Alors, on attend bien sûr les données d'efficacité dans les populations spécifiques, mais également les données d'efficacité clinique in vivo, qu'on peut le voir une fois que uniquement quand on les a implantés. On attend aussi les données d'interchangeabilité et de catch-up, parce qu'évidemment, toute une série de la population est déjà vaccinée avec le Prévnar 13 ou le PP23. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut le co-administrer avec d'autres vaccins? Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, comme ils ont les mêmes limitations que les autres vaccins conjugués, eh bien, il sera très important de faire un monitoring de l'épidémiologie à court et à long terme. Alors, concernant maintenant des choses beaucoup plus novatrices, les plateformes vaccinales, cette fois-ci de vaccins indépendants du sérotype, eh bien, comme on en a précédemment parlé, ils sont basés en fait sur les protéines de virulence de surface, utilisées seules ou en combinaison. Le vaccin le plus avancé, c'est un vaccin trivalent ou un vaccin qui utilise la protéine PSPA, qui est une protéine très fréquente, seule. Et ces vaccins sont aussi étudiés en combinaison avec les vaccins conjugués pour voir évidemment la couverture que l'on pourrait apporter. Et ils ont montré en fait des résultats très prometteurs dans les études de phase 2 chez les adultes et chez les enfants d'âge scolaire. Mais attention, donc ce sont des vaccins, enfin ce sont des entités qu'on ne connaît pas encore très bien. Et par exemple, on sait que la distribution géographique de ces protéines, ben, c'est un peu comme les sérotypes, elles varient d'une région à l'autre. Vous voyez ici dans notre étude qui a été réalisée et qui compare les infections invasives en France par rapport à ce qu'on voit dans la ceinture méningée africaine. Si on étudie la distribution de ces protéines, eh bien, un vaccin super efficace en France, eh bien, pourrait être efficace seulement à 50% dans la ceinture méningée africaine. Et donc, il y a encore beaucoup d'études, en tout cas épidémiologiques, de terrain qui restent à faire avec ces vaccins. Par ailleurs, il est très important de définir ce qu'on appelle des correlats de protection pour suivre vraiment l'immunisation induite par ces vaccins. Alors, par ailleurs, il y a d'autres vaccins qui sont à l'étude, comme les vaccins whole-cell, donc un peu comme on a pour la coqueluche, et qui se basent sur la présence de pneumocoques entiers, mais génétiquement modifiés et soit tués, soit vivants, atténués, et qui offrent alors l'avantage d'être très immunogènes et aussi d'être administrables par la voie nasopharyngée, ce qui permettrait de stimuler l'immunité muqueuse et donc de stimuler beaucoup mieux et de façon beaucoup plus, entre guillemets, naturelle, le système immunitaire de l'hôte. Alors, si ces vaccins offrent l'avantage, évidemment, de contourner le phénomène de remplacement et de spécificité par le sérotype, eh bien, un autre débat serait évidemment ouvert, c'est-à-dire quelles seraient les conséquences pour le microbiote de l'hôte de l'éradication partielle ou totale, de façon pansérotypique, d'un pathogène et d'un commensal, en fait, tel que le streptococcus pneumoniae par un vaccin. Et là, le débat est encore totalement ouvert, mais il est évident qu'il faudra faire un monitoring accru de l'ensemble de l'écosystème et de la flore de l'hôte pour avoir la réponse à ce genre de questions. Et enfin, il y a également des nouveaux modèles très intéressants à l'étude, comme des vaccins antiplasmiques qui s'intéressent alors au ciblage de la résistance antibiotique et toute une série d'adjuvants nouvelle génération qui sont étudiés pour le pneumocoque, mais aussi pour plein d'autres pathogènes infectieux. Et donc, ces microparticules, nanoparticules, qui consistent en fait à agir comme des super adjuvants et non seulement à augmenter la stimulation immunitaire, mais également à améliorer la présentation des antigènes, en fait, au système immunitaire et d'améliorer aussi la distribution des antigènes au site voulu.
Alors, tout ça, c'est très bien, mais juste un petit mot pragmatique. C'est super d'avoir des nouveaux vaccins, mais la première chose à faire, c'est évidemment d'augmenter la couverture vaccinale et la compliance à la vaccination. Vous voyez ici que malheureusement, les taux de vaccination qu'on a pour les adultes à risque, donc qui sont enregistrés comme étant, entre guillemets, inéligibles pour la vaccination par le PP23 et le Prévenar 13, n'atteint que 8 à 12 % et 50, moins de 50 % ont eu au moins un des deux vaccins. Et donc, évidemment, si on veut améliorer la prévention, la première chose à faire, c'est déjà d'améliorer la couverture par les vaccins qu'on a aujourd'hui. Alors voilà, j'espère en conclusion que vous êtes tous convaincus que le pneumocoque reste associé à un impact médical très important, et ce malgré les progrès substantiels qui ont été faits par la vaccination. La vaccination de masse par les vaccins conjugués ont montré des bénéfices très importants contre les maladies invasives et non invasives, malgré qu'ils ont été partiellement diminués par le phénomène de remplacement qui est directement lié, en fait, au caractère sérotype spécifique des vaccins. Alors, la grande plasticité génétique du pneumocoque constitue en fait un avantage sélectif très important, mais qui nous impose une stratégie de prévention dynamique et un monitoring très accru des impacts de l'implémentation vaccinale. Et il est très important en fait de suivre l'épidémiologie du pneumocoque, pas seulement en termes de sérotype, mais également en termes de génotype, pour vraiment définir des clones invasifs qui pourraient alors échapper à la pression antibiotique ou à la pression vaccinale. Alors, l'importance de la prévention par la vaccination a été très récemment encore soulignée par l'OMS et la Global Vaccine Alliance dans leur agenda d'immunisation 2030 avec le slogan Reach All for a Lifetime et qui a le but, en fait, de diminuer pour 2030 l'impact des maladies à prévention vaccinale, de diminuer l'impact des méningites et évidemment de promouvoir également l'équité dans la prévention. Les vaccins pneumocoques à valence étendue, vous allez en entendre parler vraiment très bientôt. Ils sont attendus très, très bientôt en Europe. Et comme je vous l'ai dit, ils offrent l'avantage d'avoir une couverture élargie en termes de sérotypes impliqués dans les maladies invasives et non invasives chez les enfants et les adultes. Mais malheureusement, ils présenteront les mêmes limitations que les vaccins conjugués préalables. Et il y a évidemment des nouvelles plateformes qui semblent très prometteuses avec les nouveaux modèles de vaccins pneumocoques indépendants du sérotype et qui permettraient alors de contourner le phénomène de remplacement par des sérotypes non vaccinaux et offriraient également une très bonne immunogénicité. Mais cela évidemment nécessite encore beaucoup d'études et un monitoring à long terme sur l'écosystème. Et enfin, comme vous le savez tous, la pandémie à COVID-19 a perturbé de façon vraiment significative l'épidémiologie de la plupart des maladies infectieuses, mais également la recherche et les développements vaccinaux avec un switch de fond et de temps et d'implication. Néanmoins, et pour terminer sur une note positive, il y a également des opportunités très importantes qui ont été créées et qu'il faut maintenant saisir, comme la création de réseaux internationaux très importants qui sont maintenant bien développés et qu'on peut maintenant utiliser. Et juste un tout dernier mot pour vous dire que plus que jamais, on doit être attentif sur la prévention des autres maladies infectieuses, puisque l'on constate que depuis la fin depuis la pandémie COVID-19, eh bien, il y a une diminution du taux de vaccination dans tous les pays du monde, mais particulièrement dans les pays en voie de développement, contre toutes les infections et particulièrement évidemment chez les enfants. Et donc, plus que jamais, eh bien, on doit être attentif à la prévention vaccinale et promouvoir la prévention. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup Sophie, c'était vraiment super avec à la fois dans le fond et la forme, mais les qualités didactiques sont très bien ressorties. Donc merci. Je pense que peut-être enlever le partage d'écran et on va voir un petit peu les questions. Pour ma part, j'en ai quelques-unes. Bien. Alors, donc en pratique, donc, pour le moment, on reste sur un schéma Prévenar 13, Pneumo 23, avec un rappel au bout de 5 ans. Lorsque enfin, je ne sais pas s'il va s'appeler Prévenar 20, va arriver, on pourrait se trouver dans une situation où on ne devra plus faire suivre par un Pneumo 23, donc on sera avec un seul vaccin. Exactement. Actuellement, le Prévenar 13 n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Est-ce que tu as des informations sur le futur de cette approche? Parce que bon, quand on voit, comme tu l'as souligné, le peu de couverture, l'impact financier éventuel dans certaines populations peut constituer également un frein par rapport à ça.
Exactement. Donc, déjà, bon, c'est vrai que c'est vraiment un gros problème parce que enfin, la vaccination de l'adulte, en fait, n'est pas remboursée. Et donc, si on veut être efficace, quand même, il faut également cibler la population adulte. Il n'y a pas que l'immunisation. Bien qu'on a, bon, on a déjà le remboursement pour la pédiatrie, donc on a déjà une immunité de cohorte, mais c'est effectivement insuffisant. Alors, d'abord, ce que je peux vous dire en termes d'information comme membre du Conseil supérieur de la santé, c'est qu'on va d'abord discuter de l'indication de ces vaccins pour les adultes, que ce soit le 15 ou le 20, et de qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les personnes qui sont déjà vaccinées aussi. Parce que c'est ça, en fait, la question. Donc, parce qu'on a, le problème, c'est qu'on a donc les données américaines qui sont excellentes, mais néanmoins, l'épidémiologie américaine n'est pas exactement la même que la nôtre, notamment en termes de sérotype, et on n'a aucune donnée, je vais dire, d'efficacité réelle. Donc, on a vraiment des données d'immunogénicité. Donc, quel vaccin on va déjà implémenter? Le 15, le 20, lequel on va rembourser? Est-ce qu'on va laisser libre cours aux deux? Et je pense qu'après ça, il va falloir effectivement peut-être insister sur l'obtention d'un remboursement. Mais avant le remboursement, on doit d'abord décider de l'indication. Et je sens que les débats, enfin, on le passe, c'est pour le mois prochain, on commence au Conseil supérieur. Donc, voilà, ça va être, ça va pas être évident. Mais c'est sûr que si on n'a pas de remboursement, on ne va pas améliorer la couverture vaccinale. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est malheureusement un frein énorme et ces vaccins vont pas être bon marché. Donc voilà. D'autant plus que tu signais, si on inverse par accident ou par la réalité sur le terrain le Pneumo-23 par rapport au Prévnar 13, on perd en efficacité. Autrement dit, des gens qui auraient déjà eu une vaccination, soit Prévnar 13, Pneumo-23 ou Pneumo-23 tout seul, il faudra attendre avant de Il faut remettre. attendre 2 ans. Donc, pour diminuer ce phénomène de hyper-responsiveness, on doit attendre 2 ans. Donc, ça, c'est les recommandations. Donc, toutes les personnes déjà vaccinées avec le pneumo 23, mais les personnes vaccinées avec le pneumo 23 n'auraient probablement pas de bénéfice maintenant de recevoir le PCV20. C'est ça, en fait, la question. Parce que tous les sérotypes inclus dans le PCV20 sont inclus dans le pneumo 23. Donc, la question est. Ce serait pour les nouvelles vaccinations. C'est ça la question qui va se poser, c'est-à-dire que l'avantage du PCV20, c'est que vous allez, si vous le vaccinez, vous pouvez dire, voilà, par exemple, je prends un exemple, un adulte drépanocytaire de 25 ans, il doit se revacciner chaque année avec le pneumo 23. Ben lui, il a tout intérêt à faire le PCV20, parce que comme ça, il va arrêter de se vacciner avec le pneumo 23 tous les 5 ans. Mais un adulte de 70 ans, qui a déjà eu une fois le pneumo 23, ça n'a peut-être pas d'intérêt de lui donner maintenant le PCV20. Voilà, ça c'est, mais c'est une discussion, hein. Je veux dire, je pense que là on va avoir la CIP, donc les recommandations américaines, c'est ou bien on a le PCV20, ou bien on fait le 15 et le 23, et il n'y a pas de catch-up pour l'instant pour les gens qui sont déjà vaccinés. Donc voilà. Maintenant, moi, si j'avais un patient adulte avec un déficit immunitaire, sans hésiter, je lui donnerais le vaccin conjugué 20, parce que je sais très bien que l'importance de l'immunisation chez un patient comme ça, qui va devoir être revacciné toute sa vie, est beaucoup plus importante, quoi. Et Par exemple, les patients qui ont un implant cochléaire. Voilà, c'est un autre exemple. dans le cas d'un PCV1, quel est le rappel éventuel? Aucun. 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 C'est une dose. C'est comme le 13. Mais pour l'instant, de nouveau, hein, donc je vous dis, on n'a pas les données d'efficacité, donc on se base sur ce qu'on sait du Prévnar 13, en fait. Jean, question, commentaire? Oui, non, moi j'avais un commentaire quand même pour insister sur, enfin, pour rappeler ce qui a été très bien expliqué ici, c'est que la vaccination, c'est quand même l'avenir de maladies infectieuses, que les antibiotiques, c'est un pis-aller. Et l'effet, en fait, de la vaccination, un effet tout à fait secondaire, à partir du moment où on diminue la transmission, la propagation de ce virus, de cette bactérie, pardon, on va aussi diminuer l'émergence de résistance aux antibiotiques que l'on a. Exactement. Comme traitement de deuxième intention, j'ai envie de dire. Donc, d'où l'intérêt de systématiser le plus possible, d'encourager vraiment la vaccination la plus large possible pour avoir un Alors, impact pour sur confirmer, l'anticorésistance. pour insister sur ce que M. Gérin vient de dire, il y a juste une étude du GID qui est sortie la semaine dernière où ils ont montré en fait la réduction des infections résistantes à pneumocoque. Donc c'est exactement ce que M. Gérin vient de souligner par la vaccination et la diminution est de plus de 50%
des infections simplement résistantes. Donc, et aux États-Unis, le chiffre est encore plus élevé chez les enfants. C'est une diminution, c'est 10 fois en fait diminué parce qu'ils avaient en fait ces infections à 19 ans extrêmement résistantes. Et donc, grâce à la vaccination Prévnar 13, ça a très fort diminué. Ils avaient un clone en fait très résistant. Mais donc, effectivement, l'impact sur la résistance antibiotique a été très bien étudié et continue évidemment à être étudié. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi qu'indépendamment. J'entends plus, professeur, je vous entends plus. Je vous entends plus. Et maintenant? Oui, maintenant c'est mieux. Je suis OK. désolée, mais. Curieux. Bien. Donc, indépendamment des nouveaux vaccins dont tu as vraiment dressé l'avenir proche et plus lointain, il y a la place quand même pour intensifier la vaccination actuelle des adultes avec ce qui est disponible. Et à la place pour toi, pour insister au niveau du Conseil supérieur de la santé, que le Prévenir 13 soit remboursé pour les adultes. Mais en fait, au Conseil, alors ce que vous devez savoir, c'est que nous, au Conseil supérieur, on n'a rien à dire sur le remboursement. Donc, par exemple, on a recommandé le vaccin quadrivalent pour le méningo, ben, il n'est toujours pas remboursé chez les enfants. Donc, malheureusement, au Conseil supérieur de la santé, on n'a pas notre mot à dire, nous, sur le remboursement. Donc, je vous dis, le meilleur exemple, c'est là le méningo. En fait, le méningo, on l'a recommandé au Conseil supérieur dans le schéma depuis, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Je pense que c'est l'année dernière. Il n'est toujours pas remboursé, donc les enfants ne le reçoivent pas. Donc, le problème, c'est qu'il y a une dichotomie entre les recommandations scientifiques et le remboursement de la vaccination. Et ça, on n'y peut rien. Donc, il faudra interpeller le ministre Si, pour si, autant que si. ça, pour autant que ça serve à quelque Avec ce pour autant que ça vaccin-là, serve à parmi d'autres quelque chose. choses. Oui, c'est ça. Exactement. Autre question, commentaire dans la salle. À l'extérieur, bon, si l'un des 32 ou 31 participants souhaite intervenir, Avec plaisir, qu'il je ne sais n'hésite pas. pas, on donnera le micro. Non, mais je crois que tu as convaincu tout le monde. Écoute, merci encore, Merci tout à s'est vous de m'avoir exposé. Je pense que invité. c'était une bonne idée finalement de te confier une tribune uniquement sur le pneumocoque. Jean Gérin reparlera des autres vaccinations à la rentrée, mais en tout cas sûrement le sujet méritait en soi un séminaire tel que celui d'aujourd'hui. On te remercie. Et donc, pour Merci ceux à qui n'ont pas vous. assisté, ça sera effectivement sur la chaîne YouTube pour le revoir et éventuellement certains points qu'on souhaiterait encore voir éclaircis. Eh bien, merci beaucoup Merci Sophie, beaucoup. merci à tous Bonne les journée. participants et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.